Hey everyone, and welcome to this session on the impact of privatization on the right to education. So we choose a meeting format, so I will ask you please to switch off your microphone, otherwise Eleonore will do it for you to make sure there are no voice when people are speaking. And we will have interpretation in English, French, and Spanish. And so you can choose your language at the bottom of the screen. You have the small globe, which is written interpretation, and you can choose your channel. I myself speak probably mainly in English, but may switch in other languages over this time. So thank you very much for joining us today on this topic on the privatization in higher education comparative perspective, which is part of the UNESCO World Conference on Higher Education. So we are very pleased to be part of this global discussion. We have made the effort to have this event in three languages, with the aim to ensure more inclusivity and to ensure like different type of information from different regions can be covered, and we are not only focusing on English speaking or English research. So thank you very much all of you for being there with your own language, and thanks for the interpreter for being with us today. And be patient, all of you, around the translation. And again, you can choose your languages. So we are very glad to have for this discussion four academics from three continents who will discuss with us their perspective. So from Latin America, from Senegal, so more West Africa, and in Europe regarding France and Switzerland. So maybe I haven't forgotten to present me, but I'm Delphine Dorsey, the director of the Right to Education Initiative, and with my organization we are developing more collaboration with academic. And again, I'm very glad to have you today around this table as the research you are doing on the dimension of the right to education are very important to the realization of the right to education. Is thanks to your research, like, we can assess what the situation is in a country, when we can report and share this to states in order to address any issue and develop better law and policy in order to realize the right to education for all. So really glad we can collaborate with all of you. The Right to Education Initiative, for the four past years, we have been working on higher education in France, looking at inequalities in this country, collaborating with a prestigious school called Sciences Po, and also in the past 2 years with Thibault Lauverier, who is with us on the table, looking more specifically at the privatization issue. We've been ourselves working for years now on the question of privatization at all levels of education, looking as well at the commercialization of education and how this may impact the realization of the right to education, exacerbated sometimes inequality, segregation, and even the quality of education. These have a particular dimension when we look at higher education, because the cost of higher education is much higher than at the other level, and also because states have the obligation to prioritize the other level, and of course as a start, like primary education, and sometimes they put a bit on the side the financing of higher education, and therefore we can see a development of privatization of higher education at this level. So there are particular angles there, and we will see that with the presenter today. This raised some questions, including around the debts that students are carrying, or even the perspective and the role of public education in higher education level, and we'll see that particularly
in the Latin American region. So this is in brief. There we will cover different dimensions. We will be able to engage with you. So we will have a presentation of the five panelists, but you will be able to interact with them after that. So feel free to put some questions in the chat already if you want to. And we will take questions after the presentation to continue discussing this topic. So as a start, I would like to invite Fernanda Saforca from Argentina. Es una profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Oeste. Es coordinadora de la área de investigación del Instituto de Estudios y Capitación de CONADU. En ese ámbito, ella dirige el proyecto de investigación, privatización y mercantilización de la Universidad en América Latina, algunos de cuyos resultados estarán compartiendo ahora mismo. Entonces, Fernanda, te da la mano ahora para darnos una perspectiva desde la región de Latinoamérica y después veremos un enfoque sobre Brasil y viajaremos después a Senegal y después a Europa. A ti, Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Delfín. Bueno, empezar agradeciendo esta posibilidad de estar aquí a Right to Education. La verdad que es una alegría poder estar compartiendo algunas de las cuestiones que venimos trabajando en este espacio. Voy a compartir la presentación. Aquí. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, lo que voy a compartir son algunos resultados, como ya dijo Delfín, de un proyecto de investigación que se viene desarrollando desde hace 3 años, impulsado por el Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU, que es la Federación de Docentes Universitarios de Argentina, en alianza con la Internacional de la Educación. Este proyecto, que tengo la enorme responsabilidad de dirigir, lo venimos llevando adelante conjuntamente con Daniela Tairo y Lucía Trota, en colaboración también con otros colegas que han aportado en algunos componentes. Con esta investigación nos proponemos reconstruir las tramas y los procesos de privatización y mercantilización de la Universidad en América Latina, analizando tanto las tendencias regionales como profundizando en 4 casos, Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. No obstante, dado el tiempo corto que tenemos aquí, voy a presentar solo algunas cuestiones referidas a lo regional, no voy a retomar los casos nacionales, y no voy a hacer un desarrollo, sino más bien me voy a enfocar en presentar 3 de varios nudos críticos que fuimos identificando en este estudio. El primer nudo crítico es lo que hemos llamado la hiperprivatización de la educación superior. América Latina configura en la actualidad una de las 2 regiones más privatizadas en educación superior del mundo. De acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO, como pueden ver allí, América Latina tiene casi el 54% de los estudiantes de la educación superior en el sector privado. Para dimensionar lo que esto implica, podemos compararlo con la media global. La media global es del 33% de estudiantes en el sector privado. En el caso de Europa, el promedio es el 13% de estudiantes en el sector privado. En América Latina llegamos al 54%. Esta configuración se inicia en los años 90 en un contexto de hegemonía neoliberal y fue producto principalmente de 3 cuestiones. Por un lado, de una gran expansión de la demanda de educación superior que se acelera hacia las últimas décadas del siglo XX.
En paralelo, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, también vivimos políticas regresivas en términos del financiamiento público universitario. Y esto a su vez se dio en un contexto de primacía del mercado en las orientaciones y en las dinámicas de la política pública, en el que la educación y el conocimiento fueron vistos como oportunidades de negocios y comprendidos desde perspectivas comerciales. Esto generó entonces que la mayor demanda de educación superior y la disminución del financiamiento público en un contexto de centralidad del mercado generaron estas condiciones para esa privatización. Por un lado, porque se facilitaron las condiciones para la apertura o el crecimiento de las universidades privadas. Y por otro, porque las universidades públicas, ante la falta de recursos, profundizaron la selectividad de estudiantes y establecieron arancelamientos que implicaron un desplazamiento hacia el sector, del sector público hacia el sector privado. Esto llevó a un fortalecimiento de las universidades privadas existentes y a la apertura en varios países de una gran cantidad de universidades privadas masivas y de bajo costo y de, en muchos casos, de dudosa calidad. Este proceso no fue similar en todos los países, pero sí encontramos, lo encontramos en muchos de los países o algunos de los rasgos de este proceso. Desde entonces, las tendencias de privatización de la universidad han sido una constante y es lo que nos ha llevado al panorama actual de una región que hemos caracterizado, como dije antes, como hiperprivatizada. En la diapositiva anterior, vuelvo a ella, mostré ¿por qué decimos que es hiperprivatizada en términos de la distribución de los estudiantes entre ambos sectores? Si pasamos a mirar cómo es la distribución entre instituciones, vemos que el 67% de las instituciones universitarias son privadas en la región. Y si miramos los graduados y graduadas de las universidades, podemos ver también cómo han ido creciendo y hoy tenemos un número mayoritario, casi 60%, que se gradúan en instituciones privadas. Es decir, que el panorama que se ha constituido es el de un panorama en el que tenemos más estudiantes en el sector privado que en el público. 6 de cada 10 graduados cursaron sus estudios en instituciones privadas y 2 de cada 3 instituciones de educación superior son privadas. El segundo núcleo crítico que quería compartir tiene que ver con llamar la atención. Quiero empezar por llamar la atención sobre una cuestión sustantiva. Cuando hablamos de privatización, no hablamos solo de mercado, sino que hablamos también de intereses particulares o sectoriales. Estos intereses particulares pueden ser económicos, pero también son ideológicos o políticos, y en general ambas cosas. Entonces, si miramos este fenómeno de la privatización desde esta perspectiva, es decir, desde la dimensión política del fenómeno de privatización, un aspecto central se vincula con lo que llamamos las políticas públicas de privatización, es decir, el desarrollo de políticas desde el Estado o desde organismos gubernamentales internacionales que se orientan a fortalecer al sector privado y a mercantilizar el sector público. En esto, las políticas de financiamiento constituyen un componente central. La falta de recursos públicos y de un financiamiento adecuado para garantizar la universidad pública en todas las dimensiones y funciones que la universidad pública debe desarrollar ha sido y continúa siendo una poderosa estrategia de privatización. Por un lado, porque como dijimos antes, es una estrategia de derivación de demanda hacia el sector privado. Pero por otro lado, porque pone a la universidad pública en la posición de generar dispositivos de captación de recursos a través del arancelamiento de estudios de grado o de posgrado en países donde históricamente la educación superior ha sido gratuita, al arancelamiento de los cursos de ingreso o preuniversitarios, a la venta de servicios variados y a la realización de alianzas público-privadas. Es decir, coloca a la universidad pública a operar en condiciones de mercado y con ello contribuye a la naturalización de una racionalidad privatista para comprender lo público. Esto fue lo que generó en los años 90
En los años 90, en ese contexto de reducción del financiamiento público, y estas prácticas se sostienen en muchas de las universidades latinoamericanas hasta el día de hoy. Y estas prácticas, a su vez, han ido generando una porosidad cada vez mayor en las fronteras entre lo público y lo privado, que ya numerosos investigadores analizaron a inicios del siglo XXI. Pero en tiempos más recientes, lo que observamos es ya no una porosidad, sino el borramiento, en muchos casos, de las distinciones entre lo público y lo privado. Ay, quería pasar. Ahí está. Esto se vincula también con las políticas de privatización, pero quería darle un espacio específico porque no solamente tiene que ver con el accionar del Estado, sino también con el accionar del propio sector privado universitario, que producto de los 90 creció y adquirió grandes dimensiones y grandes capacidades de influencia y de intervención en el ámbito de políticas públicas. Por lo tanto, vale la pena poner una mirada específica allí. Decía, se trata de un borramiento de las distinciones entre el sector público y el privado, y esto puede analizarse y debe analizarse de distintas, o se observa a su vez en distintas dimensiones. Por un lado, en una dimensión simbólica, cómo se equiparan las instituciones públicas y privadas como si fueran lo mismo. La noción de que ciertas formas privadas, se instala la noción de que ciertas formas privadas de educación son públicas, dado que no tienen fines de lucro. Y esto vela la dimensión política de lo público, ya que en estos casos las universidades privadas, aun cuando no tengan fines de lucro, se identifican con ciertos intereses particulares o sectoriales de quienes conducen esas instituciones. Por otro lado, también observamos cómo se fue generando en muchos países la idea de que la aparición de las universidades privadas masivas de bajo costo se las distinguiera de las privadas, de las universidades privadas más tradicionales, y que se configurara un panorama en el que la distinción ya no era público-privado, sino plantear universidades tradicionales versus universidades no tradicionales, o universidades comerciales y no comerciales, o en muchos países plantean que no hay que hablar de público-privado, sino de si son universidades de calidad o no son de calidad. Y esto colabora a esta construcción de equiparar o de borrar la distinción y el sentido de la distinción entre lo público y lo privado. Decía que además también tiene una dimensión política, porque este borramiento de esa distinción también se observó en la participación creciente de representantes del sector universitario privado en órganos de regulación y de gobierno del sistema universitario y del sistema científico y tecnológico de muchos de los países. Y en tercer lugar, también se observó en la dimensión económica, con una creciente transferencia de recursos públicos al sector privado. Históricamente, los recursos públicos para educación superior, ciencia y tecnología se dirigían casi exclusivamente al sector público. Y hemos ido pasando de esa matriz. Se trouvait principalement dans le secteur public. Et donc nous sommes passés d'un modèle à un autre, dans lequel une grande partie de ces ressources sont redirigées vers le secteur privé. Sur une base supposée égale entre les deux solutions. Mais dans les années 90, les réductions des budgets publics au XXIe siècle ont montré un cycle d'expansion dans les financements publics. Mais cela n'a pas changé les pratiques dans les années 2000. Et donc, des mécanismes sont apparus pour permettre à ces ressources publiques d'être redirigées vers le secteur privé. Nous avons des données sur ces mécanismes, mais il y a peu de données quantitatives sur ce sujet. Il semble y avoir un intérêt quant à la répartition entre le secteur privé et le secteur public. On voit cela en termes d'inclusion,
d'affectation au domaine de la recherche, par exemple. Il y a des informations très intéressantes pour voir comment ces fonds sont répartis. Et il y a des domaines au Brésil où on a vu qu'il y avait un transfert des ressources publiques aux ressources privées. Il y a une série de commercialisation du marché public avec des dimensions majeures. Et cela soulève de nombreux défis. Le système universitaire. Ahí está. Decía, lo que está en juego no es solo el sistema universitario en sí mismo. Le système universitaire n'est plus le système universitaire lui-même. Il y a une incidence sur le public. Et cela impacte. Cela a de nombreuses implications pour l'Amérique latine. La plupart des experts internationaux peuvent dire que ce qui se passe au niveau du secteur privé, c'est pour défendre les intérêts des propriétaires. C'est très important de savoir ce qui se passe en Amérique latine. L'Amérique latine est la région la plus inégalitaire de la planète à ce sujet. Et donc, le renforcement du secteur public est une précondition essentielle pour la création d'un modèle plus juste, plus démocratique. Et en termes de politique, nous devons renforcer cela. Donc, il faut que les universités soient plus publiques, qu'elles s'engagent à effectuer leur travail, leur mission, sur la base du bien commun. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qui a été déclaré dans la convention, lors de la conférence de l'enseignement supérieur en Amérique latine. L'éducation supérieure est un bien public, un droit humain et universel et un devoir de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fernanda, pour nous avoir partagé cette question de l'Amérique latine et ainsi que toutes les inégalités de la région, c'est que d'avoir parlé du financement de l'éducation et de la distribution des ressources. Nous allons poursuivre cette discussion. Je souhaite également vous remercier pour ces perspectives et pour nous montrer cette perspective du secteur privé qui empiète sur le secteur public et comment ces mécanismes fonctionnent. Je voudrais vous rappeler à tous que vous pouvez poser des questions sur le chat. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'y répondre après, mais en tout cas, vous pouvez répondre aux questions. À présent, nous allons passer au Brésil, donc on reste en Amérique latine. Nous allons nous concentrer sur le Brésil. Et Fernanda, comme je le disais, nous allons passer au Brésil avec Rosana Heringer et Flavio Carvalhais qui vont nous présenter les perspectives du Brésil. Rosana est professeure associée de sociologie de l'éducation à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Elle coordine l'EPES, un groupe de recherche sur l'enseignement supérieur. Elle a publié de nombreux articles et des chapitres de livres sur les relations raciales et la discrimination raciale au Brésil, sur les politiques des politiques d'action positive, les inégalités d'accès et la rétention dans l'enseignement supérieur. Elle coordonne actuellement un projet de recherche sur l'évaluation de la discrimination positive dans l'enseignement supérieur au Brésil, résultats et défis futurs. Et donc, elle va nous faire cette présentation avec Flavio Carvalhais, qui est sociologue spécialisé dans les inégalités sociales, l'éducation et l'enseignement supérieur.
Ces recherches portent notamment sur les inégalités dans le système éducatif brésilien, la transition de l'école au travail et les processus d'expansion de l'enseignement supérieur. Actuellement, Flavio travaille avec des étudiants diplômés et des fonctionnaires brésiliens du ministère de l'Éducation afin d'adapter les données administratives et les données de registre pour les utiliser dans la recherche scientifique. Il étudie à la fois la loi de l'offre et de la demande d'enseignement supérieur afin de produire des idées novatrices permettant d'éclairer les politiques relatives à la réglementation de l'enseignement supérieur au Brésil, ainsi que la manière dont l'accès à ce segment du système éducatif peut devenir moins inégal. Il est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Institut des études politiques sociales du Brésil et il est actuellement professeur de sociologie à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Merci beaucoup, Rosana et Flavio, d'être parmi nous aujourd'hui et de nous faire cette petite présentation sur le Brésil. Vous avez la parole. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vais partager mon temps de parole avec Flavio. Donc, mon objectif, c'est de vous donner un aperçu et une perspective des inégalités dans le domaine de l'accès à l'enseignement supérieur. Et donc, je vais vous partager les résultats de mes travaux de recherche. Flavio, juste pour vous donner un petit aperçu, donc, il s'agit ici de publicité d'université privée du Brésil. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Brésil, ce sont des personnes très connues, très populaires à la télévision. Ce sont des personnes qui présentent des différentes émissions, des jeux télé. Et donc, cela montre à quel point cela peut appeler à s'inscrire dans ces instituts, dans ces écoles. Hier, il y a eu un article dans un journal brésilien qui parlait d'éducation, de cursus d'études et qui présentait trois diplômes qui coûtaient 20 dollars par mois pour s'inscrire au Brésil. Donc, c'est à peu près là où on se situe à l'heure actuelle. Et je pense que le cas du Brésil illustre très bien ce que Fernanda vient de présenté pour le scénario de l'Amérique latine dans son ensemble. Donc, on va vous montrer l'expansion de l'enseignement supérieur au Brésil ces 20 dernières années. Ici, vous avez deux cartes qui montrent le nombre de municipalités. Donc, en 2000 pour la première carte et en 2010, qui montre des instituts, des établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient privés ou publics. Et donc, cela vous montre comment cela s'est étendu par la suite. Ce qu'on peut dire, c'est que l'enseignement supérieur était historiquement conçu comme quelque chose qui s'adressait à l'élite brésilienne. Donc, tout au long du XXe siècle, il y avait très peu d'établissements, très peu d'inscrits. Nous avons eu deux vagues d'expansion dans les années 60, puis dans les années 80-90, en particulier par le biais des institutions, des établissements privés. Et puis, il y a une autre vague d'expansion dans les années 2000, plutôt dans le domaine public, qui se concentrait sur les étudiants les moins privilégiés. Les données récentes montrent que nous avons en 2020 environ 2500 établissements d'enseignement supérieur au Brésil et presque 90% d'entre eux sont des établissements privés. La plupart d'entre eux sont de petits établissements. Donc, on voit une concentration progressive au sein de groupe économique plus grand. Et en termes d'université, nous en avons donc 203 qui sont répartis à peu près à 50% public, 50% privé. C'est important de dire que les institutions publiques, en particulier fédérales,
États-Unis sont considérées comme étant de meilleure qualité, gratuites, plus sélectives, et le budget total est couvert par l'État. Elles représentent 23% des inscriptions, alors que les établissements privés ne sont souvent pas des universités, ce sont de plus petits établissements. Ils chargent des frais de scolarité, la facture des frais de scolarité est très élevée, qui varie beaucoup. Et en général, ce ne sont pas des enseignements de très bonne qualité et ils représentent 77% des inscriptions. Parmi les différentes politiques qui ont été adoptées pour l'expansion de l'enseignement supérieur au Brésil pendant la première décennie du 21e siècle, il y a d'abord eu le système de sélection unifiée. Donc, c'est un système pour les établissements d'enseignement supérieur public qui se fait par le biais d'un système national intégré. Et puis, nous avons également le programme PRUNI qui permet probablement, enfin, dont viennent probablement les données que vous a montrées, Fernanda, en matière de bourse dans le secteur privé. Donc, l'essentiel se concentre sur ces deux programmes. Le programme PRUNI, ce sont des programmes de bourse qui sont soutenus par le secteur public pour des étudiants dans le secteur privé. Et puis, le programme FIUS, ça concerne plutôt l'expansion des pré-étudiants. Donc, aujourd'hui, en termes d'inscription, en 2020, nous avons un total de presque 9 millions d'étudiants, dont 3 millions qui suivent un enseignement à distance. Et donc, cela a beaucoup augmenté, en particulier l'année dernière avec la pandémie. Et en termes d'admission, en 2020, nous avions également une grande augmentation en termes d'enseignement à distance. Il y a eu presque 1 million d'inscriptions, d'admissions, pardon, et cela représente quasiment 100% des inscriptions en pratique. Et donc, ma dernière diapositive, avant de passer la parole à Flavio, donc cela, juste pour montrer que cela va jusqu'à 2017, mais vous voyez beaucoup l'augmentation des inscriptions au Brésil depuis les années 80. Et vous pouvez également voir les différences entre la proportion d'inscription dans le public et dans le privé. Flavio, tu as la parole. Merci, merci à vous d'être là. J'espère que nous allons avoir une bonne discussion. Donc, je vais continuer la présentation de l'étude qui se focalise sur comment le marché de l'éducation supérieure est plus concentré sur certaines institutions. Donc, comme Rosana l'a dit, la distribution se fait sur quelques institutions. Et donc, il y a de grands conglomérats qui s'occupent de ce marché avec quelques acteurs commerciaux. Et donc, je vais vous donner déjà quelques chiffres qui complètent les arguments de Rosana. Par rapport donc aux étudiants, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, qui ont 19 ans, vous pouvez voir les admissions, les taux d'admission dans le secondaire et le tertiaire, avec seulement 40% de jeunes. Donc, il y a beaucoup d'améliorations possibles au Brésil par rapport au Mexique ou à l'Argentine ou d'autres pays d'Amérique latine. Et donc, par rapport à d'autres pays développés aussi.
Donc, je vais maintenant me focaliser sur ma partie de la présentation. Je vais essayer de vous illustrer le processus de concentration et de consolidation qui caractérise ce qui se produit à l'heure actuelle et ce qui risque de se produire dans le futur au Brésil, comme Rosana vous l'a déjà expliqué. Donc, par rapport au Brésil, ce point est vraiment primordial. Il y a beaucoup d'autres questions qui pourraient être soulevées, mais ce point est vraiment très important. Et je peux vous résumer les résultats qui sont une combinaison d'une virtualisation qui avait déjà commencé et qui est devenue de plus en plus importante. Donc, c'est une combinaison de virtualisation et de privatisation de l'éducation dans des institutions commerciales, à but commercial, à but lucratif. Et cette combinaison est très importante à comprendre pour le contexte dans lequel nous travaillons. Donc, j'ai utilisé des données sur toutes les institutions. Et je pourrais donc vous donner plus d'informations, si vous voulez plus de détails, dans la partie discussion. Ici, vous avez donc la distribution des admissions par année, par secteur. Et vous pouvez voir ici que nous sommes focalisés sur une éducation virtuellement non existante en 2022. Donc, je me suis arrêtée en 2016. Donc, si on regarde le secteur public, on a 18%. Et donc, je voudrais ici caractériser la façon dont ces admissions se concentrent. Donc, en regardant cette espèce de trompe d'éléphant et comment l'interpréter. Donc, on peut diviser la distribution des admissions en deux points dans le temps et en 100 points. Donc, on l'a mis dans un ordre d'ascension avec les institutions par taille pour regarder la distribution de 2002, pardon, j'avais dit 2022 tout à l'heure, à 2016. Donc, dans le premier groupe, nous avons les petites institutions. Donc, sur le départ. Et au niveau du 100, vous avez les grosses institutions, les gros groupes. Et donc, c'est en fonction de la taille des institutions. Donc, on peut comparer comme ça, dans le temps, ce petit segment, comment les groupes ont soustrait donc de 2016 à 2002 et le taux d'expansion au fur et à mesure du temps. Donc, si on regarde cette courbe horizontale de gauche à droite, vous pouvez voir que toutes les institutions ont augmenté en taille. Les petites qui sont à gauche ont grossi d'environ 50%. Et celles qui sont sur la droite, ont complètement explosé. Donc, il y a vraiment visiblement un besoin par rapport aux institutions de grande taille et que ces institutions lucratives se focalise donc sur l'éducation supérieure. On peut regarder donc ces chiffres et diviser ces 100 groupes à deux moments, deux points dans le temps.
pour regarder les différences sur cette période de taille, sur cette période de temps. 1% de ces institutions concentrent 25% de l'augmentation en admission au Brésil. Et ces institutions ont des parts, sont cotées en bourse, etc. Donc, je pourrais vous montrer spécifiquement, je peux utiliser les index qui synthétisent ces chiffres et ces relations, mais je n'ai plus assez de temps. Alors, je vais passer vite à la suite. Donc, je pense que notre présentation illustre parfaitement bien ce que le professeur Fernanda Soforcada a dit. Au Brésil, le Brésil est très représentatif en termes d'éducation privée pour le monde entier et de ce qui se passe dans le monde. Et c'est une de nos problématiques pour l'avenir. C'est la qualité de ces accès et le poids sur les étudiants. Comment ils deviennent dépendants de prêts, que ces prêts ont un poids, sont un risque pour leur avenir à un moment donné et auront une influence sur leur style de vie. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flavio et Rosana, pour parler du Brésil et nous montrer comment ces augmentations sont phénoménales. Et on en a parlé aussi, Fernanda, de ces prêts étudiants. Et donc, il nous semble que tous ces étudiants ont été absorbés par le secteur privé. Donc, la question est comment financer l'éducation supérieure. Et ça va être une question clé par rapport à la conférence de cette semaine. Et donc, il va nous falloir trouver comment financer cette éducation supérieure. Il y a aussi la question de l'éducation à distance avec des acteurs privés, des acteurs à but lucratif. Donc, il y a différents types d'acteurs privés, mais on va commencer à parler des acteurs à but lucratif et du poids, du coût pour les étudiants, qui est une problématique particulière quand on essaye d'avoir une égalité et une justice sociale dans la société. Donc, je pense que peut-être nous pourrions... il y a deux points que j'aimerais discuter plus tard. C'était très intéressant de voir comment l'éducation publique semble être de meilleure qualité et comment nous assurer que tous aient accès à cela, quelle est la question de la sélection. Et donc, on en a discuté assez récemment dans une discussion avec l'UNESCO sur la question du mérite, des capacités, et comment cette sélection a laissé pour compte beaucoup de groupes désavantagés. Et donc, c'est une question à soulever quand on parle de privatisation aussi. Merci beaucoup d'apporter cette perspective d'Amérique latine avec un focus sur le Brésil. Et nous allons maintenant passer au Sénégal. Nous allons aller au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, avec Jean-Alain Goudiaby, qui est sociologue de l'éducation et de la formation. Il est enseignant-chercheur à l'université Hassan Seck de Ziguinchor, au sud du Sénégal, et travaille essentiellement sur les politiques éducatives et la gouvernance universitaire, les mobilités académiques, les dynamiques de production et de financement de la recherche, ou encore sur les sujets techniques du quotidien et sur la masculinité. Ces activités s'inscrivent dans une réflexion globale sur la dynamique de construction des systèmes dans un contexte de fortes contraintes, ce qu'on peut bien sûr imaginer entre autres au Sénégal. Il est le responsable scientifique de l'Institut Éducation, Famille, Santé et Genre de l'Université Hassan Seck de Ziguinchor. Et à ce titre, il coordonne et participe à plusieurs recherches sur l'éducation.
Jean-Alain Goudiaby est membre du réseau de recherche francophone sur la privatisation de l'éducation. Nous avons aussi Thibault avec nous qui interviendra juste après, qui pourra nous dire un mot sur le réseau, et a coordonné récemment au Sénégal le projet de recherche « Enseignement supérieur privé et inégalité » porté par Étienne Gérard sur un financement de l'AFD. Donc Jean-Alain, c'est à toi. Merci beaucoup, Delphine. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, je me réjouis d'être de votre cet après-midi pour partager cette recherche sur la privatisation. Merci à mes collègues qui m'ont précédé. Et ce que je vais vous présenter un peu, c'est de faire le point sur justement cette question de la privatisation de l'enseignement supérieur au Sénégal. Quelle opportunité? Quelles sont les contraintes aujourd'hui qu'on peut noter et surtout ce que ça évoque comme inégalité. Pour introduire, il faut se remettre dans un contexte où aujourd'hui, si nous parlons de cette privatisation, c'est aussi s'intéresser d'une certaine manière à finalement la question de la connaissance et comment elle se situe dans des dynamiques locales et globales. Pourquoi? Parce que finalement, on va se rendre compte que cette privatisation aussi légale s'inscrit dans des perspectives à la fois locales, en termes de politique publique, mais aussi en termes de développement de l'enseignement supérieur à travers. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que cette question de l'enseignement supérieur, et notamment sa privatisation, a très peu intéressé les chercheurs. C'était d'abord les niveaux inférieurs qui étaient abordés, et depuis peu, on s'est intéressé à l'enseignement supérieur. Et notamment autour d'un tournant, ici que l'on situe pour le Sénégal autour des années 2000, où il y a une véritable explosion de l'offre d'enseignement supérieur, avec une privatisation même qu'on peut retrouver dans les universités publiques. J'y reviendrai. Avant-dernière chose, en guise d'introduction, c'est finalement ce paradoxe ici que le Sénégal partage avec beaucoup de pays africains, où on va voir qu'on a des taux de scolarisation du supérieur qui demeurent parmi les plus faibles, mais en même temps, on a une forte croissance de la population étudiante. Ce qui va expliquer par ailleurs cette faiblesse des universités publiques à prendre en charge la demande d'éducation. Au Sénégal, entre 1999 et 2007, on voit donc ce taux brut de scolarisation qui a été multiplié par plus de 3 points et qui aujourd'hui crée une véritable question au niveau de l'enseignement supérieur. Du coup, mon questionnement, c'est finalement comment cette privatisation dans l'enseignement supérieur va structurer le droit à l'éducation dans une perspective d'offre et de demande en service d'éducation. Puisqu'on va le voir, les deux sont ici d'une certaine manière intimement liés. Les 3 points que je vais évoquer assez rapidement dans ma présentation, c'est d'abord de revenir sur les caractéristiques de cet enseignement supérieur avec un focus sur le privé, la diversité et les disparités que cela pose et au final comment cette inégalité ou ces inégalités sont gérées. Ce qu'il faut savoir, c'est que parlant du Sénégal, les premières expériences de l'enseignement supérieur remontent à la colonisation française, avec notamment l'école de médecine du Dakar, 1918, la première université même du Sénégal, qui était la première de l'Afrique de l'Ouest francophone, a été créée comme une université française, mais on rajoutait très vite au service de l'Afrique. Il faudrait donc attendre après les indépendances pour voir une floraison d'universités publiques. C'était la seule université de l'Afrique de l'Ouest francophone. Après donc les indépendances, l'université de Dakar devient l'université sénégalaise et devient Cheikh Anta Diop en 87. Aujourd'hui, le Sénégal compte 8 universités publiques, 5 instituts supérieurs d'enseignement supérieur, de formation professionnelle. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes sortes de grandeur que ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec l'Amérique latine. Et surtout, ce qui est nouveau et important, c'est les 300 instituts et universités publiques privées. Donc, dans les 300, et on estime qu'il y en a un peu plus d'ailleurs, ce sont des universités privées ou des instituts privés. La carte universitaire, du coup, s'est renforcée en termes d'offres.
mais avec des disparités et on va voir avec des particularités dans ces développements. Mais pourquoi aujourd'hui l'enseignement supérieur privé s'est vite développé? Premier élément, c'est la faiblesse ou la faible remise en cause du modèle occidental. Je vous disais tantôt que l'université sénégalaise était d'abord une université européenne. Et de ce point de vue, elle n'était pas forcément adaptée aux réalités. Donc, on assiste à une certaine mise en accusation donc, de ces universités publiques, d'abord par les bailleurs de fonds qui trouvaient que c'est une institution qui prenait beaucoup de ressources avec des rendements faibles. Par la société, parce qu'il y avait une image assez négative liée aux crises, mais surtout au taux d'insertion qui était assez faible selon les types d'universités. Et troisième facteur, c'est l'ouverture au marché, avec une recommandation forte à l'époque en 1992, ce rapport de la Banque mondiale, et enfin, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Donc, du coup, l'État avait de moins en moins la possibilité de répondre aux besoins, et on voit naître ces différentes universités, aidées en cela par des textes, l'accord cadre de 95, et la première institut business school qui va naître au Sénégal, c'est l'ISM, l'Institut supérieur de management, en 92. Et si on doit caractériser ces institutions privées d'une manière générale, ce sont des formations ciblées, un financement supporté le plus souvent par l'étudiant et une capacité apaisé, un cadre apaisé et qui va être un élément important. Si l'on compare aux universités publiques, on va être sur des formations plus généralistes, un financement qui est étatique, mais de plus en plus des offres privées hein, et des enseignements, des enseignants plutôt certifiés, puisque la plupart des gradés, les plus gradés, sont effectivement dans ces universités privées. Un élément public, autant pour moi, un élément ici qui va être vraiment, qui va venir brouiller la frontière entre le public et le privé, c'est cette décision du ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque à considérer que public et privé sont de même, d'égale dignité, et l'État va orienter et payer la scolarisation dans des instituts privés. Ça, c'est véritablement un tournant que l'on va voir dans ce processus de privatisation au Sénégal. Ensemble, on va voir que l'enseignement supérieur subit de grandes réformes, l'accès, la professionnalisation, la territorialisation, et aujourd'hui, la question de l'assurance qualité qui se porte à la fois sur le public comme pour le privé. L'équilibre ici de l'offre et de la formation qui va être un enjeu important. Pour aller assez rapidement sur la diversité ici et les disparités de ce processus, cette augmentation que j'évoquais tout à l'heure de l'effectif des étudiants, on le voit très bien selon les données de l'USU, que de 70 à 2020, ben, ce nombre d'étudiants a réellement et beaucoup progressé. Et si on regarde, du coup, ça va créer une difficulté dans la capacité de répondre à cette demande d'éducation. Ce qu'on va constater, c'est que l'accroissement de l'offre privée va contribuer à l'élargissement de l'accès. Puisque je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a plus de 300 instituts publics privés qui vont se mettre en place. Donc, un élargissement de l'accès. Les établissements supérieurs privés vont progressivement imposer ou s'imposer comme une des alternatives possibles quand il faut accueillir ces étudiants-là. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que malgré leur nombre important, 94% des établissements supérieurs relèvent du privé, ils n'absorbent réellement que 20% de l'effectif des étudiants. Donc ici, l'absorption reste faible, alors que le nombre des étudiants, des établissements privés reste très important. Et ces établissements vont être concentrés autour de Dakar, la capitale, et on va voir l'intérieur du pays où il y aura très peu de formations supérieures. Un large choix donc de formations proposées et qui sont jusque-là mises à l'écart dans les universités publiques. Si on regarde la répartition de tous ces étudiants, on se rend compte que la majorité du public ici est constituée par les filles. Les filles sont majoritaires dans les universités publiques, alors que les garçons sont majoritaires dans les universités publiques. D'autres choses qui pourraient effectivement l'expliquer, notamment les conditions d'accueil et d'études. Ces différenciations qui créent une certaine hiérarchie dans le privé, il y a les grandes écoles qui aujourd'hui sont réputées pour être de grande qualité et qui absorbent le maximum d'étudiants, sont aujourd'hui bien situés dans l'échiquier, alors que nous avons une qualité relativement faible pour les instituts qui se retrouvent dans les régions
ou en tout cas dans la banlieue. Et là, ce qu'on va voir, une des faiblesses, c'est cette mise en tutelle de l'encadrement doctoral, c'est-à-dire que les universités privées, pour la plupart, si elles veulent avoir une formation doctorale, il faut qu'elles soient sous couvert des enseignants du public, parce que c'est là qu'on trouve les plus grades. Cette privatisation, on va voir donc des étudiants qui peuvent payer des frais d'inscription supplémentaires dans les universités privées et des enseignants du public qui vont intervenir dans le privé. Ce qui vient ici encore une fois bouleverser la différence entre public et privé et surtout renforcer ce processus de privatisation que l'on peut voir puisqu'il y a de plus en plus de formations et instituts privés à l'intérieur des universités publiques. Pour finir autour de ce troisième point, finalement, comment on gère ces inégalités-là? Ça reste très inégalitaire. Plus on s'éloigne effectivement du centre de la ville, on voit une influence importante ici du privé dans la structuration de l'offre. L'accès reste très peu différencié au regard des coûts de formation pratique par certaines institutions et les instituts de grandes écoles. Donc ici, ce que je vous présente ici, c'est une différence entre 2012 et 2013 de la parité dans les différentes régions du Sénégal, où on voit effectivement la capitale où il y a un taux plus important d'étudiants inscrits. Et si on regarde dans les autres régions, il y a une grande disparité ici territoriale qui est importante, notamment en termes d'accès et en termes de performance, entendu maintien des étudiants dans le système. On s'est aussi intéressé à un peu qui s'inscrit où. Et en croisant avec où est-ce que les parents ont étudié, on se rend compte qu'il y a une grande similitude. Les enfants qui ont des parents qui ont été dans le public ont tendance à être dans le public, alors que les parents qui ont qui ont des parents qui ont étudié dans le privé ont tendance à s'inscrire eux-mêmes dans un établissement privé. Et ici, c'est assez flagrant pour ce qui est du privé confessionnel, et notamment confessionnel catholique. L'autre différence ici que l'on note, c'est au niveau des filières suivies par les différents étudiants, on se rend compte que le public sont plutôt dans les sciences humaines et sociales, alors que les sciences économiques et de gestion vont intéresser davantage les étudiants inscrits dans le privé, ce qui s'explique par la proximité ici que les privés ont avec les entreprises, et notamment en termes d'emploi et d'employeurs. Alors, pour conclure, je voudrais aborder quatre points assez rapidement. Le premier élément, c'est que quand on va parler de droit à l'éducation et quand on va parler de privatisation aujourd'hui au Sénégal, un des points d'attention doit être porté sur le droit à l'accès, la diversité, la pluralité de l'offre, les coûts, ici, qui restent assez élevés selon certaines institutions privées, et ce que j'évoquais tout à l'heure, la plupart des formations sélectives au niveau des universités publiques sont payantes et donc privées. Deuxième point, c'est cette prise en compte des inégalités sociales et de genre. On assiste à une démocratisation quantitative puisqu'on a de plus en plus d'étudiants qui rentrent à l'université, mais si on regarde, il y a une disparité de genre très importante et à cela s'ajoute une disparité territoriale à prendre en compte. L'autre point, c'est justement autour de ces disparités territoriales qui restent encore très persistantes. Et on voit que si on veut arriver à une réduction en termes d'inégalité, il faut qu'on puisse améliorer cette équité territoriale. Et enfin, c'est que si on veut améliorer le droit à l'éducation en termes d'accès, de maintien, de qualité ou de transition, il est important que nous puissions avoir une attention particulière sur une approche systémique qui permettrait de comprendre à la fois le processus de privatisation, mais en même temps aussi d'intégrer le développement de l'enseignement supérieur en prenant en compte les besoins des sociétés, et notamment de la société sénégalaise. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Jean-Alain, pour avoir amené cette perspective sur le Sénégal et avoir amené la perspective historique. C'est intéressant de regarder aussi l'évolution sur un certain nombre d'années et voir comment les systèmes ils ont pu évoluer ou comment ils se sont construits historiquement autour de cette question de la privatisation. Tu as soulevé une question importante sur les inégalités territoriales.
On a vu ça aussi, nous, dans le cas de la France, et c'est vrai que c'est une autre question qui se pose pour l'accès à l'enseignement supérieur. On voit que la question du genre, elle continue toujours à se poser en Afrique. Donc, merci de l'avoir soulevé, Jean-Alain. Je vais maintenant donner la parole à Thibault Lauverier. Donc, Thibault Lauverier, il est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Comme je vous l'ai dit, il a collaboré avec nous sur le projet de recherche sur le cas de la France. Il est coordinateur du réseau de recherche francophone sur la privatisation de l'éducation. Tu nous en diras peut-être un mot, Thibault, avant ton introduction. Ses recherches portent sur les actions de la coopération internationale en éducation, sur la qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest et sur la privatisation et marchandisation de l'éducation en Afrique et en Europe francophone. Thibault, c'est à toi. Merci beaucoup Delphine, bonjour à toutes et à tous. Étant donné le temps, je me suis permis de vous mettre le lien vers le réseau que Delphine vient de vous mentionner, le réseau de recherche francophone sur la privatisation de l'éducation dans le chat, et je vous invite à aller voir directement sur notre site internet les activités et les objectifs de ce réseau. Donc pour ma part, je vais vous présenter la question de la privatisation de l'enseignement supérieur en France et en Suisse, et je vais traiter d'une part des tendances liées à cette privatisation et d'autre part des impacts de cette privatisation. Je précise juste que pour le cas de la Suisse, je vais me concentrer sur la situation à Genève, parce qu'il faut savoir que le système éducatif en Suisse est très décentralisé, et géré notamment au niveau des cantons, et même s'il peut y avoir des constats similaires dans les différents cantons du pays, chaque système a ses propres spécificités. Alors, je vais vous faire état de deux études parallèles qui ont été menées ces dernières semaines, ces derniers mois. D'une part, une étude qui a été menée justement avec l'ONG Initiative pour le droit à l'éducation, et qui avait notamment l'objectif de faire le point sur la situation en France en mobilisant des données existantes les plus récentes, en particulier dans le contexte COVID-19, où on sait qu'il y a eu des implications de la pandémie de ce point de vue-là. Et d'autre part, une étude menée dans le cadre d'un stage de recherche dans mon équipe à l'Université de Genève et qui s'est concentrée sur les enjeux de la privatisation de l'enseignement supérieur à Genève. Je veux préciser que les deux études n'ont pas porté toujours sur les mêmes objets et donc je ne vais pas vous faire une analyse purement comparative entre les deux contextes, mais vous présenter voilà, des tendances qu'on retrouve dans les deux contextes. Je vais donc commencer par quelques tendances, vous présenter quelques tendances qui ont été relevées dans les deux contextes qui nous intéressent. Et la tendance principale qu'on a constatée donc également dans les autres contextes qui ont précédé, c'est vraiment une privatisation croissante dans l'enseignement supérieur, étant donné d'abord l'implication croissante du secteur privé. Et cela se traduit entre autres par une augmentation des effectifs d'étudiants dans le privé, en particulier ces deux dernières décennies. Très concrètement, en France, et vous avez le graphique donc, sur le côté droit de la slide, très concrètement, en France, les effectifs représentent actuellement 20% de la part des étudiants dans l'enseignement supérieur, et dans certaines académies, les taux peuvent même atteindre 30%. Et donc, ce qu'on voit, c'est une progression des effectifs qui est forte dans le privé, et en particulier ces 20 dernières années, voire ces 30 dernières années, comme donc vous pouvez le voir sur le graphique. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la progression des effectifs dans le privé est plus forte que dans le public. Parallèlement à l'augmentation des effectifs, nous observons une augmentation également du nombre d'établissements privés, évidemment, mais à noter que c'est une augmentation principalement du nombre d'établissements à but lucratif. Et cela, notamment à travers le développement de chaînes qui appartiennent souvent à des groupes industriels ou financiers internationaux et qui cherchent à valoriser leur capital. Donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on observe ces dernières années. Également,
une autre tendance qu'on retrouve, c'est une augmentation des fonds privés à destination des établissements d'enseignement supérieur public. Et là, si je prends le cas de Genève, les fonds privés représentent 1/5 des fonds pour les établissements publics dans le domaine de la recherche. Et donc, c'est une part non négligeable. Et beaucoup de ces financements proviennent, y compris d'entreprises étrangères qui investissent beaucoup dans les différents établissements supérieurs genevois publics. Une autre tendance qu'on a observée, et je pense qu'elle est, qu'on la constate au-delà de la France et de la Suisse, c'est dans le contexte COVID-19, c'est la présence accrue des entreprises de la EdTech, donc les nouvelles technologies. Que ce soit pour les étudiants ou les enseignants, il a fallu assurer la continuité pédagogique dans le contexte COVID-19, et donc des compagnies du secteur EdTech ont proposé leurs services, et cela c'est notamment concrétisé, comme vous le savez, par le déploiement de plateformes numériques, des solutions de visioconférence, des supports de présentation, etc. Et je pense que cela doit quand même nous alerter à propos de l'implication croissante de ces entreprises dans le secteur éducatif, notamment pour trois raisons qui sont non exhaustives, c'est que les produits qu'ils proposent peuvent être accessibles à des coûts élevés pour les institutions publiques. Donc, les institutions publiques doivent mettre une somme importante à destination de ces coûts-là. Ces entreprises EdTech peuvent également contribuer d'une certaine manière à la détérioration du système public, puisque nombre d'entre elles, on le sait, placent leurs revenus dans des paradis fiscaux. Donc, ça contribue à la détérioration du système public. Et enfin, on sait également que les données qu'elles récoltent auprès des consommateurs peuvent servir à des fins marchandes. Donc ça doit, cette implication toujours croissante des entreprises EdTech, on doit rester attentif à cette augmentation. Et puis, ce qu'on peut noter également, c'est que cette implication croissante du secteur privé, aussi bien en France qu'en Suisse, a été facilité par des dispositions politiques, d'ailleurs, comme on l'a vu dans les autres contextes précédemment. Nous l'avons vu pour la Suisse, la réforme de Bologne a encouragé à mettre en place un dispositif d'accréditation pour l'assurance qualité aux écoles privées, et cette accréditation a donné du crédit aux écoles privées, car du coup, leur diplôme est considéré comme équivalent à ceux du public. Et ça a facilité l'augmentation du nombre d'établissements privés. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la privatisation ne correspond pas seulement à l'application croissante du privé dans ce degré d'enseignement. Nous observons également que les mécanismes du secteur privé pénètrent le secteur public, et c'est ce que je vais traiter maintenant. Nous avons notamment observé, alors là aussi je vais présenter des tendances qui sont non exhaustives, nous avons observé que les universités publiques, en France en particulier, ont récemment acquis la possibilité de créer des filiales pour gérer leurs activités. Et ces filiales pourraient devenir une source de financement complémentaire sur le long terme, par exemple en organisant le mécénat ou en cherchant à tirer parti du patrimoine immobilier. Et ces filiales des universités utilisent donc majoritairement de l'argent public, mais qui est géré sur le droit privé. Un autre exemple de pénétration du privé dans le public, aussi bien d'ailleurs visible en France qu'en Suisse, correspond à l'internationalisation des politiques éducatives qui, dans un contexte de globalisation, a poussé les institutions d'enseignement supérieur à se placer dans l'économie de marché mondial. Alors, de ce point de vue-là, l'exemple du classement des universités, notamment celui de Shanghai, qui est un des plus connus, peut pousser le service public d'enseignement supérieur à devenir un nouveau secteur marchand, producteur de valeurs économiques et de profits. Dans le public, ça va se concrétiser notamment par un rationnement de l'offre de formation en faveur de disciplines utiles pour l'économie. Alors, très précisément, à l'Université de Genève, on fait beaucoup mention de ce type de classement pour justement attirer toujours plus de fonds, toujours plus d'étudiants et donc se placer finalement dans cette compétitivité mondiale. Par ailleurs, l'importance d'apprendre tout au long de la vie, comme vous le savez, notamment dans le cadre des objectifs pour le développement durable, on a étendu les objectifs de l'éducation. On ne veut plus seulement viser la scolarité obligatoire
pour l'éducation de base, mais on veut qu'on puisse apprendre tout au long de la vie. Et ça, on va le retrouver, ça va se concrétiser notamment par un accroissement des offres de formation continue, en particulier dans le secteur public. Et puis, ces offres de formation continue qui vont être beaucoup soutenues par le secteur privé, va proposer un grand nombre de formations continues qui ont en majorité des frais bien plus élevés qu'en formation initiale. Et ces formations continues ont toutes des budgets qui sont adaptés à chacune de ces formations et qui ont pour objectif de répondre aux besoins du marché du travail. Donc là aussi, c'est une tendance qu'on retrouve de plus en plus. Parallèlement aux formations initiales, les universités publiques, notamment, développent des formations continues qui, elles, ont des coûts qui sont particulièrement élevés. Finalement, dans la recherche scientifique, une tendance qu'on peut relever et qui marque vraiment cette pénétration du secteur privé dans le public, c'est que dans la recherche scientifique, publier ses travaux est un passage obligé, en particulier pour les chercheurs, pour faire connaître le travail, éventuellement pour obtenir un poste, mais à condition d'être publié dans des bonnes revues. Sauf que les dites bonnes revues sont souvent la propriété d'éditeurs privés. Nous pensons notamment à des grands groupes comme Elsevier, Springer Nature, qui publient des travaux scientifiques la plupart du temps qui sont financés par des fonds publics. Et les dépenses destinées à l'acquisition de médias électroniques en 10 ans ont plus que doublé pour les bibliothèques universitaires suisses qui ont, pour donner un chiffre, dépenser 60 millions de francs en 2020. Donc, pour le cas de Genève, on a vu que l'université dépensait une partie non négligeable de son budget pour des organisations privées à but lucratif, donc justement en l'échange de l'accès au savoir. Et ce qu'on constate également, c'est que malgré une volonté affichée d'aller vers l'open access, donc l'accès libre au savoir, donc des publications dont on n'aurait pas notamment à payer des frais, les pratiques ont encore du mal à évoluer dans ce sens. Si on prend par exemple la liste des revues dans lesquelles les chercheurs de l'Université de Genève publient des articles, on constate que nombreuses d'entre elles ne sont pas librement accessibles et donc un abonnement est nécessaire pour pouvoir lire ces textes. Donc, après avoir brièvement présenté les tendances, laissez-moi traiter des impacts de cette privatisation de l'enseignement supérieur en France et en Suisse. Et étant donné le peu de temps à ma disposition, j'aimerais insister sur l'impact qui, selon moi, est le plus problématique, à savoir l'accroissement des inégalités socio-économiques, qui ne sont certes pas le seul fait de la privatisation, mais cette privatisation y contribue. Donc, la privatisation a pour effet, on l'a constaté, et ce n'est pas nouveau, d'augmenter les inégalités, puisque ce sont les milieux les plus favorisés qui accèdent majoritairement aux institutions privées, car les frais de scolarité peuvent y être élevés. Pour donner un exemple, en France, ces frais sont en moyenne de 10 000 euros par an et peuvent être bien plus élevés pour certaines écoles. Et d'ailleurs, les frais de scolarité dans ces établissements privés sont en hausse continue depuis les années 1980. Elles ont par exemple augmenté de 64% entre 2009 et 2018, donc dans l'espace de 10 ans, dans les écoles de commerce. Même si en France, environ 22% des étudiants qui sont issus de familles défavorisées sont boursiers de l'enseignement supérieur dans le privé, contre 40% dans le public, ces bourses ne couvrent pas l'ensemble des frais induits par une scolarisation dans le supérieur, et donc on vient de voir que les frais était particulièrement élevé. Il faut savoir qu'en plus, au-delà des frais de scolarisation dans le privé qui sont la plupart du temps très élevés, on constate dans les deux contextes qui nous intéressent, mais qu'on retrouve évidemment dans d'autres contextes, des coûts indirects qui sont liés aux études dans l'enseignement supérieur, notamment les frais de logement ou de transport qui sont aussi bien présents pour le privé que pour le public. Pour pouvoir étudier l'enseignement supérieur à Genève, les étudiants doivent trouver des solutions alternatives, donc, y compris en mobilisant leur famille, en contractant des prêts ou en trouvant un job durant leurs études, ce qui est une réelle contrainte par rapport aux étudiants de milieux socio-économiques favorisés.
pour le cas de la France, je vous recommande l'excellent rapport qui a été publié par l'ONG Initiative pour le droit à l'éducation, donc qui organise cet événement, et qui traite spécifiquement des inégalités territoriales et par là même de l'impact des frais indirects pour les étudiants ne vivant pas dans des pôles d'enseignement supérieur. Donc finalement, encore une fois, l'idée, c'est d'insister sur le fait que la plupart des institutions privées d'enseignement supérieur sont réservées aux catégories sociales les plus favorisées. Et étant donné que le nombre d'institutions privées est en augmentation, l'écart constaté depuis de nombreuses années ne fait que se creuser. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, un appui plus appuyé des États serait crucial, mais on constate que voilà, l'aide ces dernières années, ces dernières décennies, n'est pas équilibrée par rapport justement à la demande et notamment par rapport au fait qu'il faille prendre en considération les étudiants qui proviennent de milieux défavorisés. Donc, je vais m'arrêter là. Et juste pour vous dire, pour conclure, je rappellerai donc les deux messages clés de ma présentation. D'une part, nous observons une privatisation accrue de l'enseignement supérieur en France et en Suisse, en particulier à Genève dans nos cas, et d'autre part, une privatisation qui accroît les inégalités entre étudiants de milieux favorisés et étudiants de milieux défavorisés socio-économiques. Je vous remercie. Merci Thibault pour avoir été succinct dans ta présentation. J'ai noté notamment la question de l'enseignement à distance et des entreprises EdTech que tu as mentionné, notamment avec les paradis fiscaux. Je pense que c'est une question importante à soulever. Oui, aux acteurs privés qui peuvent contribuer au développement de l'éducation, mais si c'est pour justement avoir des évasions fiscales et pas contribuer au financement de l'éducation globale, ça devient un problème. Tu as aussi soulevé de nouveau la question des compétitions entre les universités et cette question de la globalisation de l'enseignement supérieur qui met aussi les universités et l'enseignement supérieur sous pression. Et j'ai trouvé très intéressant ton commentaire sur le open access et comment on peut rendre accessibles les savoirs, et y compris les logiciels et les techniques, même informatiques, qui soient accessibles au plus grand nombre. Alors, c'était très riche, toutes ces discussions que nous avons eues. And I'm going to switch in English. It was very rich, the discussion we had together. Nous avons donc eu des discussions très riches ensemble. Nous avons très, très peu de temps puisque nous devions cesser à 17h30. Et je vais vous demander si vous avez des questions ou des commentaires à faire, de les inscrire dans le chat. Je n'en vois aucun à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous voulez commenter ou poser une question. Sinon, je vais faire quelques commentaires de conclusion sur ce qui a été dit. Je vous encourage vraiment à taper vos commentaires et vos questions dans le chat. Je ne sais pas, au niveau des intervenants, si vous avez des ressources à partager, n'hésitez pas à partager des liens vers vos propres travaux de recherche pour que vos collègues puissent effectuer un suivi à l'issue de cet événement. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, sur l'éducation, l'enseignement supérieur. Et j'espère vraiment que la conférence mondiale de l'UNESCO de cette semaine va aborder cette question du financement de l'enseignement supérieur, puisque pour moi, c'est un élément clé et c'est la seule façon de répondre à cette question d'inégalité et de cesser ce cycle de reproduction de sociétés inégalitaires au sein de nos systèmes éducatifs. Ça sera très intéressant. J'espère que nous aurons des conversations de suivi pour aborder la question des inégalités territoriales en comparaison avec d'autres pays, mais également la question du genre, des inégalités de genre, comme Jean-Alain l'a mentionné au Sénégal, par exemple. Ça serait très intéressant de voir comment cela se reproduit dans d'autres endroits et de voir l'impact énorme
normes de l'apprentissage à distance et comment ils transforment le système éducatif et comment on s'assure que cela ne va pas dévier les fonds et que nous puissions continuer à soutenir un système d'éducation publique fort et de bonne qualité. C'est également quelque chose que je souhaite soulever également avec tous les chercheurs qui sont ici et peut-être avec nos partenaires de la société, des organisations de la société civile et de l'UNESCO, mais pourrions-nous peut-être rechercher un bon exemple de système d'éducation publique au niveau de l'enseignement supérieur qui soit inclusif et qui permette de soutenir une égalité plus forte. Et je suis très intéressée par les recherches au Brésil et de voir comment l'enseignement supérieur public fonctionne et de voir comment ce paradoxe entre le taux d'absorption d'étudiants et le manque de budget. Donc, j'aimerais qu'on puisse creuser un peu davantage sur cette question. Et puis, enfin, mon dernier commentaire sera sur la question de la capacité du mérite et de la sélection pour accéder au système d'éducation. Je sais que l'UNESCO réfléchit à ce sujet à l'heure actuelle et que les présentations que vous avez partagées aujourd'hui sur les dynamiques au sein des différents continents pour voir comment cela a un impact, que ce soit la sélection par les résultats, donc ce qu'on appelle le mérite ou la capacité, mais également la répartition des différents établissements. Donc, c'était très intéressant d'étudier ces différentes perspectives sur différents continents et de voir que, en tout endroit, on constate une augmentation des établissements privés qui est corrélée avec une question d'inégalité, de ségrégation, de discrimination et de voir comment également les financements publics sont déviés vers des acteurs privés, y compris des acteurs à but lucratif. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci d'avoir partagé, de partager vos contacts, vos articles, vos ressources. Pour tous ceux qui sont présents avec nous, vous retrouvez ici un lien dans le chat avec des données de contact. Je suis très heureuse d'avoir pu tenir cet événement dans différentes langues et j'espère que nous pourrons reproduire cela. Bien sûr, cela a toujours un coût et engendre quelques problèmes techniques, mais je pense et je le dis à tous, y compris à l'UNESCO, puisque ce sont eux qui facilitent ce type de discussion, c'est vraiment important d'avoir des perspectives différentes, d'avoir différents angles de personnes qui ne parlent peut-être pas l'anglais ou pour qui ça n'est pas simple de s'exprimer en anglais. Donc, merci pour cette discussion. Merci pour la diversité de vos contextes, de vos cultures, de vos langues. Cela fait partie de l'enseignement supérieur également. Et ce serait très intéressant de voir comment d'avoir une discussion sur l'intérêt des langues dans l'enseignement supérieur et de voir comment on pourrait avoir un enseignement supérieur aussi dans nos langues maternelles et pas forcément en anglais. Un grand merci également aux traducteurs qui nous ont suivis et qui nous ont permis de tenir cette discussion dans différentes langues. Merci à chacun d'entre vous qui a participé. Je suis sûre que nous aurons d'autres conversations et que nous resterons en contact sur ce sujet et j'ai hâte de retrouver ceux qui seront à Barcelone cette semaine pour discuter de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres discussions. Merci. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Bye bye.